Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition sur Culture Télévision. Les inscriptions sont désormais ouvertes pour la deuxième édition du concours Grand Prix littéraire du Bénin, à en croire l'appel à candidature lancé par le ministère de la Culture à travers la Direction des Arts et du Livre. Les inscriptions prennent fin le 30 septembre 2020. Mohamed Amoussa. 30 septembre 2020. C'est la date fixée par le directeur des Arts et du Livre, Kofi Atédé, pour la fin des inscriptions à la deuxième édition du concours Grand Prix littéraire du Bénin. Selon l'appel à candidature lancé pour cette édition, 3 œuvres littéraires de fiction écrites en français par des auteurs de nations dans la catégorie de théâtre, du roman et de la nouvelle seront consacrées. Par ailleurs, la participation est ouverte aux ouvrages publiés entre le 1er janvier 2016 et le 31 août 2020 inclus. Le même appel à candidature stipule que seuls les éditeurs détenteurs de l'agrément d'éditeur signé par la Direction des Arts et du Livre seront habilités à présenter des candidatures parmi les auteurs de leur catalogue. La participation par éditeur est limitée à 3 titres de différents auteurs au maximum. Il faut noter que pour cette édition, le jury du Grand Prix littéraire du Bénin est présidé par Raphaël Yebou, professeur d'université et composé des écrivains Euphrasie Kalmont-Honkonou et Habib Dakboga. Le lauréat de chaque catégorie du Grand Prix littéraire du Bénin reçoit à titre individuel une enveloppe financière d'un montant de 2 millions de francs CFA. Il faut rappeler que pour la première édition, l'écrivain Giovanni Rousseau était vainqueur dans la catégorie théâtre du Grand Prix littéraire du Bénin avec son œuvre La Rue Bleue. Dans la catégorie nouvelle, c'est Roger Iko Agboro qui a remporté le titre grâce à son ouvrage Le Traquenard amoureux. Quant à Anaï Baye Danivo, elle est la lauréate dans la catégorie conte avec Sitou et La rivière de la nudité. Le gouvernement béninois a envisagé la mise en place d'une chaîne de services et plateformes logistiques sous température contrôlée de classe internationale pour le stockage des produits périssables. C'est une décision issue du Conseil des ministres tenu hier au Palais de la Marina. Suivez. Au titre des communications, recrutement d'un cabinet pour l'élaboration du plan directeur pour la mise en place d'une chaîne de services et plateforme logistique sous température contrôlée de classe internationale pour le stockage des produits périssables, notamment les produits agricoles et les produits d'exportation. La perspective de mise en place de cette infrastructure s'explique par la volonté du gouvernement dans son plan de riposte à la pandémie de la COVID-19 de faciliter rapidement l'amélioration de l'offre de services logistiques à température contrôlée, la réalisation dans les meilleurs délais d'un entrepôt pour produits agricoles périssables aux normes internationales à l'aéroport de Cotonou ou dans ses environs. C'est donc en vue de disposer de données pertinentes pour l'exécution de ce projet que le Conseil a chargé le consortium d'UVELFO-LICAP spécialisé en la matière, de réaliser le dit plan directeur. En bref, dans cette édition, le gouvernement béninois a acté la réalisation des travaux confortatifs d'assainissement de la berge ouest de la lagune de Cotonou. Les dits travaux sont nécessaires en vue d'obtenir la propreté optimale de la zone traitée lors de l'opération de nettoyage de la berge pour assurer une sécurisation durable du site ainsi faite. À l'international à présent, en France, la structure de promotion artistique et culturelle Erzuli Art présente du 14 au 20 septembre prochain à Paris une exposition des œuvres de 3 artistes béninois inspirés du vaudon. Cette exposition entend lever le voile sur le patrimoine vaudon en tant qu'une forme de croyance où les hommes recherchent la bienveillance des dieux. Bernice Apiti. Dénommée Spirit Rising, cette exposition a pour objectif de montrer l'importance du patrimoine vaudon en tant qu'une forme de
croyances où les hommes recherchent la bienveillance, la puissance des dieux et des formes invisibles pour se connecter à leur monde surnaturel. Et dans l'aventure de ce vernissage qui se déroulera en France, ils sont trois artistes béninois de talent incontestable qui envisagent se mettre en lumière par le truchement de leur œuvre. Il s'agit de Rafi Okefo-Laran, Aurel Yawedeo et Eric Charles, trois grosses figures des arts plastiques béninois qui ont déjà marqué de leur empreinte le territoire artistique dans leur pays d'origine. En page sport de cette édition, Steve Mounier, désormais sous la tunique brestoise, l'attaquant béninois en manque de temps de jeu à Huddersfield Town en Angleterre, vient de s'engager avec le club français, mais également l'ailier croate Perisic va retourner en Serie A, le joueur prêté au Bayern Munich par l'Inter Milan lors de la saison 2019-2020 ne sera pas conservé par le club allemand. Patrice Guézo, Gilles-Christ Haïté pour les détails. Steve Mounier signe son comeback en D1 française. L'attaquant béninois a paraphré un contrat de 4 ans, une signature considérée en France comme un gros coup réalisé en attaque par le stade brestois. Pour s'offrir l'attaquant de 25 ans, les Tisef ont dépensé 5 millions d'euros, une somme qui propulse l'attaquant international béninois dans les plus hautes sphères des transferts du club. Mounier revient donc en France et ressemble à un joli coup sur le papier pour le stade brestois, qui enchaîne sa deuxième saison dans l'élite où Saint-Étienne et surtout Bordeaux, ces derniers jours, ont aussi tenté de l'attirer. Formé à Montpellier et passé par Nîmes, Steve Mounier avait rejoint Huddersfield Town en 2017 contre 13 millions d'euros. L'international béninois n'a marqué que 2 fois en 2018-2019 dans la Championship après avoir marqué 7 buts en Premier League avant la relégation du club. Pour rappel, Steve Mounier s'est entraîné ce mercredi avec le stade brestois qui espère sur sa 7e recrue du Mercato dès le déplacement à Dijon, dimanche lors de la 3e journée de Ligue 1. Si l'international béninois fait son retour en France, Ivan lui reprend la direction de l'Italie. Après Coutinho et Odriozola, Ivan Perisic quitte le Bayern de Munich. L'octuple champion d'Allemagne a décidé de ne pas lever l'option d'achat incluse dans le championnat de prêt de l'international croate. Il ne fera donc qu'une seule saison en Bavière, une saison fructueuse avec un triplé championnat, coupe et Champions League remporté avec les Bavarois. Il a contribué à ses succès du Bayern Munich en marquant 8 buts et distribué 10 passes décisives en 35 matchs joués. Ivan Perisic retourne à l'Inter de Milan pour se mettre à la disposition de Antonio Conte, l'entraîneur des Nerazzurri. Mais en cas d'offre intéressante, le club vice-champion d'Italie ne s'opposera pas à un départ de celui qui a marqué 26 buts en 90 sélections avec la Croatie. Ainsi donc s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivie.